Bonsoir. Je vois pas bien dans le fond, mais ça a l'air plein quand même. Bonsoir à tous. C'est toujours impressionnant de rentrer dans une salle aussi pleine et de voir le silence se faire pour cette cérémonie traditionnelle des vœux de Olonne-sur-Mer. Chers amis olonnais et amis d'Olonnais, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2015. Ces vœux s'adressent particulièrement aux élus de l'Olonne, qui sont derrière moi, et à leurs familles, aux membres du Conseil des Sages, aux membres du Centre communal d'action sociale, aux agents de la ville d'Olonne, de l'EHPAD, aux agents des collectivités de l'agglomération. Mes vœux s'adressent aussi tout particulièrement aux nombreux élus du pays des Olonnes et des communes voisines qui nous font l'amitié de partager un moment de convivialité avec nous ce soir. Je voudrais saluer particulièrement la présence du maire des Sables, Didier Gallo, de Joël Mercier, dont on m'a dit qu'il était présent, mais que je ne vois pas. Il est par là, discret, d'accord. Il reste des places devant si tu veux, Joël. De Fabrice Chabot, le maire de l'île d'Olonne. D'Alain Taupin, dont on m'a dit qu'il était présent également, discret lui aussi, même si sa stature le fait dépasser un petit peu de la foule. Permettez-moi d'adresser aussi un salut tout particulier à mon ami Gérard Faugeron, conseiller général, que je remercie de son soutien quotidien et notamment de son soutien dans un projet qui a été très cher au cœur des Olonnais et aux finances du département. Je veux parler bien sûr du contournement routier d'Olonne-sur-Mer, dont nous nous réjouissons tous les jours. Les Olonnais en avaient rêvé, le Conseil général l'a fait. Il a fallu un petit peu de patience, mais tout est bien qui finit bien. Je voudrais aussi saluer la présence nombreuse ce soir des conseillers régionaux qui vivent une dernière année de mandat, un mandat un peu à rallonge, avec ce soir, dans le rôle de la majorité, Stéphane Frimodo. Je ne sais pas si Dominique Proutot est dans la salle, mais je la salue également. Mais également pour l'opposition, Pauline Mortier et Brigitte Tesson et Sabrina Garnier. Je voudrais également saluer, et vous me le permettrez, ma nouvelle collègue parlementaire, Annick Billon, avec laquelle j'ai plaisir de travailler au service de la Vendée et au service du redressement de notre pays. Mes vœux s'adressent également, évidemment, à vous tous ici présents en vos qualités, aux entrepreneurs, professionnels, libéraux, artisans, commerçants, employés, salariés, enfin bref, à tous ceux qui font battre le cœur de notre économie. Mes vœux s'adressent également aux très nombreux représentants de la vie associative olonnaise qui y donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie et qui font de notre petite ville d'Olonne-sur-Mer et de cette agglomération, une ville où il fait bon vivre. Je voudrais adresser aussi mes vœux aux représentants des différentes administrations et services de l'État, et plus particulièrement ce soir, si vous le permettez, aux représentants de la police et de la gendarmerie nationale, que je vous demande d'applaudir. Mes vœux s'adressent également aux représentants de la paroisse et des communautés religieuses, aux responsables des formations, de formation maternelle, élémentaire, primaire, secondaire, professionnelle, enfin bref, ça fait quand même 3500 élèves qui sont en formation sur le seul territoire municipal. Mes vœux s'adressent également aux représentants du Conseil municipal des enfants, ici présents, qui ont été élus en octobre 2014 et que je remercie de leur présence à mes côtés. Ils ont, comme leurs aînés, eu le courage de se présenter aux élections, de s'engager pour le bien de leur cité. À l'aube du mandat qui s'ouvre, nous pourrions peut-être les encourager.
D'ailleurs, je vais vous les présenter rapidement un à un. Dans l'ordre alphabétique, ils peuvent se lever à l'appel de leur nom. La photo s'affichera sur le grand écran ici. Camille Amelino, voilà. Eva Myriam Béduno, Élise Brousseau, Romane Buchet, Nel Carpio, Alexis Chaigne, Noah Cuneau, Justine Despérou, Dylan Herbreteau, Victor Jégu, Salomé Leclerc, Jules Lomo, Teddy Mardigras, Alix Motet, Gapin Pelé, Tom Pied, Lucas Poncet et Marie Pouvreau. Merci. Ils ont plein d'énergie et plein d'idées pour faire bouger Olonne. Et ils ont l'honneur de représenter tous les enfants d'Olonne. Ils l'ont fait d'ailleurs avec une particulière dignité et solennité. Le 24 novembre dernier, au pied de l'Arc de Triomphe, où dans le cadre des cérémonies du centenaire organisées par la ville en partenariat avec Mémoire des Olonnes, Olona et les anciens combattants, ils ont eu l'honneur de raviver la flamme du soldat inconnu. Je voudrais aussi, en cette première année de mandat, vous présenter la nouvelle équipe qui m'entoure et à qui vous avez accordé votre confiance au printemps dernier. Vous les avez vus couchés sur le papier au moment des élections. Vous pourrez tout à l'heure leur parler, peut-être même les toucher, prendre le verre de l'amitié avec eux, et vous verrez qu'ils sont encore mieux en vrai que sur le papier. Je vais commencer par vous présenter les élus d'opposition. Je ne sais pas s'ils nous ont rejoints sur scène. Éric Garde, est-ce qu'il est là, Éric ? Nicole Landriot, voilà. Simon Avril, Martine Balladre, avancez-vous Martine, je vous en prie, et Régis Bernard. Vous ne m'en voudrez pas, je vais aussi vous présenter les élus de la majorité qui travaillent à mes côtés au quotidien. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de les rencontrer de nouveau à l'occasion des pique-niques de quartier que nous relancerons cette année, de mai à juillet, afin de faire vivre la proximité à Olonne dans chacun des quartiers de la ville. Alors, je vais vous les présenter aussi un à un. Dans l'ordre, Colette Merle. Voilà. Tu peux lever la main. Gérard Malochet. Marie-Françoise Réau. Ouais, c'est là ou là, hein, c'est comme vous voulez. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre l'œil gauche là et l'œil droit là. Ça, vous ne pouvez rien louper. Michel You. Sophie, là derrière. Elle est derrière d'ailleurs. Bernard Marchand, André Grousseau, que j'ai le plaisir d'accueillir parce qu'il a fait un petit passage à l'hôpital pour nous faire peur, mais tout va bien. Claude Fournière, Christelle Rimbaud, pour qui j'ai une pensée ce soir parce qu'elle aussi traverse des moments qui ne sont pas toujours faciles. Stéphane Brosseau, Valérie Augry, Nicolas Chaigne, Frédéric Benelli, Catherine Guéda, Brigitte Bureau, Nathalie Sillary, Nicolas Chénéchaud, Didier Jégu, et c'est le père de Victor, pour ceux qui... Christine Delpierre, Jean-Claude Chénéchaud, lui aussi c'est le père de Nicolas. On a fait des... Il y avait des réductions quand on prenait... Lucette Rousseau, Daniel Ruchot, Françoise Bossard, Alain Blanchard, Sophie Lopez, Patrick Houssin et la dernière, mes notes de liste, ma première adjointe, Florence Pinault. Nous pouvons les applaudir. J'avais initialement prévu de dire du bien de ma première adjointe, mais dans mon oreillette, on m'a dit que j'avais pas le droit. Alors, je vous dirai pas de bien de ma première adjointe, mais je n'en pense pas moins. Maintenant que les présentations sont faites et que tout le monde sait qui est qui, je voudrais, en votre nom à tous, accueillir les nouveaux habitants d'Olonne-sur-Mer qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre au cours de l'année qui vient de s'écouler et dont un certain nombre
est présent ce soir. Ils sont les bienvenus à Olonne-sur-Mer, au pays des Olonnes, en Vendée littorale. Nous nous réjouissons de leur venue parce qu'ils confirment l'attractivité de notre territoire et qu'avec leur arrivée sur le pays des Olonnes, ils apportent du sang neuf, de la vitalité à nos associations et à notre économie. Je voudrais vraiment leur adresser en votre nom à tous une bienvenue chaleureuse. Je voudrais aussi, ce soir, avoir une pensée particulière pour les Olonnais qui nous ont quittés depuis la précédente cérémonie de vœux. Évidemment, ce soir, dans le contexte particulier de notre pays, nous avons tous à l'esprit les victimes innocentes de la barbarie terroriste contre laquelle le peuple de France s'est levé dimanche dernier dans un élan républicain et patriotique sans précédent. Quelle était belle la France dimanche dernier quand elle était rassemblée, forte, réunie autour de l'essentiel. Souvenons-nous aussi de nos défunts olonnais. J'ai une pensée ce soir plus particulière pour Jean-Claude Charlier, décédé au début de l'année dernière, le président de l'association Leucémie Espoir. Je voudrais aussi qu'ensemble nous ayons une pensée toute particulière pour André Loipre, décédé il y a quelques jours entre Noël et le premier de l'an et à qui les Olonnais et la ville d'Olonne doivent beaucoup. André était président de l'Union nationale des combattants anciens d'Algérie, soldats de France. Il était un homme de devoir, un homme droit, un homme digne et un ami. André a porté haut pendant toute la période d'exercice de ses responsabilités et a su faire partager les valeurs du patriotisme. Pour André, comme pour moi, l'amour de la France n'était pas ringard. L'amour de la France n'était pas une idée rétrécie. L'amour de la France, c'est une valeur qui se conjugue au présent et au pluriel. C'est cette valeur qui nous a rassemblés ces derniers jours. C'est une valeur cardinale pour notre société, pour notre pays, pour notre peuple. J'y reviendrai tout à l'heure. À vous tous, rassemblés ce soir pour la traditionnelle cérémonie de vœux, je voudrais, au nom des élus, vous souhaiter une très bonne année. Dans le contexte très particulier que nous vivons au cours de ces derniers jours, j'ai décidé de ne pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire de ne pas vous dessiner le catalogue des principaux projets qui changeront votre quotidien en 2015 à Olonne-sur-Mer et sur le pays des Olonnes. Pour la plupart d'entre eux, vous les connaissez déjà, la période électorale n'est pas si éloignée que cela. Et puis, ils feront l'objet d'un petit montage diaporama que vous pourrez regarder au cours du verre de l'amitié. Non, en ce début d'année, je voulais partager avec vous quelques réflexions sur l'avenir d'Olonne, sur l'avenir du pays, des Olonnes, et de la France. Je prends une petite gorgée, si vous le permettez. Il paraît qu'il ne faut pas dire ça quand on fait un discours. Il faut continuer le discours, prendre, et puis arrêter et recommencer. Là, j'ai pris une petite gorgée, et je vous le dis. Quelques réflexions. La première, c'est une réflexion que je me fais tous les jours. Il ne se passe pas une semaine, pas un jour, sans que je me dise quelle chance nous avons de vivre à Olonne et au pays des Olonnes. Pas vous ? Ah, j'avais peur d'être le seul. Nous avons ici une qualité de vie exceptionnelle. Les nouveaux habitants ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Notre économie souffre, mais résiste plutôt mieux qu'ailleurs. Nous avons un climat exceptionnel, doux, tempéré, que les amateurs du sud de la France commencent à nous envier. Nous avons des côtes variées et magnifiques, un patrimoine naturel extraordinaire, de bocages, de marais, Fabrice, de forêts remarquables, des services publics tout à fait satisfaisants, un niveau élevé
de sécurité publique, une vie culturelle toute l'année, une vie associative bouillonnante d'énergie, des élus sympas, bref, une qualité de vie exceptionnelle. Malheureusement, Olonne et le pays des Olonnes, pour reprendre l'expression du président du Conseil général, Olonne et le pays des Olonnes n'est pas une île. Et nous sommes confrontés aux mêmes difficultés que le reste du territoire national. Les périls qui menacent la France, de manière générale, malheureusement, commencent à menacer la qualité de vie et le dynamisme d'Olonne et du pays des Olonnes. Alors pour mieux les combattre, je voudrais les évoquer avec vous rapidement. Je voudrais poser des mots sur les maux de la France. Le premier des périls qui menacent notre pays, c'est un péril insidieux. C'est ce que j'appelle le déni de réalité, c'est-à-dire le refus de voir la vérité en face. Ça n'a l'air de rien, mais c'est extrêmement dangereux. Comment ça se traduit ? Ça se traduit par la perte de crédibilité de la parole des hommes publics et politiques. Ça se traduit par un état d'esprit de nos dirigeants, de gauche comme de droite, je ne fais pas ici de politique politicienne, un état d'esprit de certains de nos dirigeants qui refusent de voir la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons, sur le plan économique par exemple, et qui se disent, de toute façon, l'économie c'est un cycle et la croissance finit toujours par revenir. C'est malheureusement un état d'esprit qui est plus largement partagé qu'il n'y paraît dans les hautes sphères de notre pays. Et donc finalement, il n'y a pas besoin de faire des efforts énormes, il suffit de courber le dos, de rentrer la tête, et ça finira bien par passer, et la croissance reviendra, et le pays se portera mieux demain, il suffit d'être un petit peu patient. C'est le déni de réalité, c'est aussi le refus de voir la gravité des situations sociales, la gravité de l'évolution de certains phénomènes qui gangrènent notre pays et qui lui portent préjudice. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je veux juste citer l'un d'eux à ce moment-là du discours. C'est par exemple le refus de voir que l'immigration non maîtrisée et la non-intégration des personnes immigrées en situation régulière est un problème pour notre pays. Alors quand on vit à Olonne, au pays des Olonnes et en Vendée, on s'en rend un petit peu moins compte que dans le nord, dans l'est et dans le sud de la France. Mais refuser de voir le péril que représente ce type d'évolution, c'est un déni de réalité qui est dangereux pour le pays. Le deuxième péril qui gangrène notre société et menace la cohésion nationale, c'est l'individualisme. Vous allez voir ce soir, je vais utiliser pas mal de mots en « isme » et à chaque fois vous direz « oula, c'est pas bon signe ». L'individualisme, c'est le cancer de notre société. Le règne du moi-je, l'hypertrophie du moi. Moi-je, j'ai le droit à. Je paye des impôts, donc j'ai le droit à ce que la collectivité arrache l'herbe qui se trouve devant la porte de ma maison. Moi-je, mon clocher, mes intérêts, mon club, mon association, ma famille, mes amis et les autres, je ne m'en occupe pas. Moi-je. Ce moi-je connaît aussi parfois des dérives qui sont aussi de nouvelles formes d'individualisme, comme le communautarisme. Le communautarisme, c'est un individualisme de groupe. Les communautarismes, laïcs ou religieux, gangrènent aussi notre société. C'est le règne des corporatismes. Du droit à avoir, du droit à faire, mais jamais des devoirs. Et je pense que le,
La seule réponse possible, elle date pas d'aujourd'hui, elle est ancestrale. Elle a été très bien formulée par Kennedy, qui disait, souvenez-vous, ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que toi tu peux faire pour ton pays. C'est le cas pour ta commune, c'est le cas pour ta communauté de communes, c'est le cas pour ton département, pour ta région, pour ton pays. Le troisième péril qui menace notre pays, ou plutôt qui menaçait notre pays, c'est le désamour de la France. J'ai, dans ma vie, assez peu voyagé, mais dans les pays étrangers où je me suis déplacé, jamais je n'ai trouvé un pays qui se détestait autant que la France. Jamais j'ai trouvé un pays moins patriotique que la France. Même les plus petits pays, les plus pauvres, les plus démunis, ont une meilleure idée de l'avenir et de la réalité de leur pays que nous. C'est insensé. On encense les voisins, les Allemands pour la réussite économique, les Anglais pour le taux de croissance, les Espagnols pour la reprise, le ceci, cela, mais il n'y a jamais rien de bien chez nous. Jamais. Que ce soit la gauche, la droite, ce n'est pas une question de parti politique. Il n'y a jamais rien de bien chez nous. C'est un sport national. L'autoflagellation est devenue un sport politique national. La solution ne peut plus venir de la France, c'est l'Europe qui va nous aider à régler nos problèmes puisqu'on n'est pas capable de le faire nous-mêmes. La jeunesse de notre pays, c'est un drame. La jeunesse de notre pays, la plus diplômée, ne voit plus son avenir dans notre pays et cherche des perspectives et des opportunités à l'extérieur. Le désamour de la France est un péril contre lequel nous pouvons lutter et nous lutterons, j'en dirai deux mots tout à l'heure. Le quatrième péril, pour ne pas être trop long, c'est le fatalisme, encore un nom en isme. La crise est mondiale, on n'y peut rien. La jeunesse n'a plus de repères, il n'y a plus de valeurs. Notre pays est impossible à réformer. Bref, on est foutu. Encore deux semaines de pluie et on sera tous dans une grande dépression. On vivra tous une dépression. Et même les nouveaux habitants qui sont venus ici pour la qualité de vie, finalement, vont eux aussi déprimer. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Voilà. Ce serait oublier que nous sommes Français et que la France ne serait pas la France si dans son histoire de Bouvines en 1214, de Bouvines en 1214, au 11 janvier 2015, en passant par Austerlitz, en passant par 1914, en passant par le 18 juin 1940, la France ne serait pas la France si lorsqu'on lui imposait de poser le genou à terre, elle ne se décidait pas à se relever et elle trouvait en elle-même la force de résister et de se relever quand les circonstances le lui imposaient. Nous pouvons redresser la barre. Je vais rapidement évoquer quatre pistes, quatre priorités qui peuvent nous conduire à redresser la barre et à relever notre pays. D'abord, je vous propose qu'ensemble, nous osions regarder la réalité en face. Que nous osions faire mentir les déclinologues, les fatalistes. Quelques exemples. Même si la parole des politiques devient de moins en moins audible et de moins en moins crédible, même si le désespoir guette parfois les électeurs les jours des élections, même si le désespoir grandit et touche de plus en plus de nos concitoyens. La vérité, c'est qu'on n'a pas de système politique et démocratique de secours. La vérité, c'est que la démocratie républicaine, c'est peut-être le pire des systèmes, mais on n'en a pas trouvé de meilleur. Alors on n'a pas le choix. Alors ça veut dire qu'il faut user et abuser de nos droits et de notre droit de vote pour choisir ses représentants
être exigeant avec eux, les sanctionner au besoin, mais prendre ses responsabilités au moment des élections. Un autre exemple en matière économique. La réalité, c'est que nous ne faisons pas simplement face à une crise. Nous vivons une mutation profonde de notre économie, qui est chaque jour davantage mondialisée, chaque jour davantage digitalisée, chaque jour davantage à l'abri des influences des gouvernants. Les gouvernants ont de moins en moins de prise sur l'économie réelle dans nos pays. La finance commande et la mondialisation commande. C'est une réalité. Mais la réalité, c'est que les leviers que nous avons pour faire prospérer et redresser notre économie, la réalité, c'est que ces leviers-là, nous ne les avons pas utilisés. La réalité, c'est que nous savons tous quelles sont les réformes dans notre pays qui permettraient d'inverser les choses, mais que depuis 40 ans, nous ne les avons pas mises en place, nous n'avons pas eu le courage de les mettre en place. La réforme des retraites, la réduction de la dette. Je vous rappelle que le pays a voté son premier budget en déficit en 1975, année de ma naissance. Triste anniversaire. La diminution des dépenses de fonctionnement de l'État. Toutes ces réformes-là n'ont jamais été réellement engagées. Tout reste à faire. Et simplement, il faut se le dire. Et il faut agir et choisir les candidats et les représentants qui oseront dire la vérité aux Français. En matière sociétale, si on reprend l'exemple de l'immigration et de l'intégration que je citais tout à l'heure, il faut oser dire la réalité aux Français. L'immigration régulière est un échec. L'intégration est un échec. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus aujourd'hui non pas simplement à intégrer des immigrés en situation régulière, on n'arrive pas non plus à empêcher les immigrés en situation irrégulière, on vit des drames sur les côtes de l'Italie, c'est-à-dire sur les côtes de la France, on vit des drames à Calais, on vit des drames partout. La réalité, c'est que on n'arrive pas à empêcher l'immigration irrégulière, on n'arrive pas à organiser l'immigration régulière et à la maîtriser, et on n'arrive pas à intégrer et encore moins à assimiler. Or, comment voulez-vous que des jeunes de la deuxième génération de l'immigration, comme ceux qui défrayent parfois l'actualité, se sentent français si à un moment on ne leur a pas demandé, si on n'a pas demandé à ces familles d'assimiler non seulement la nationalité, mais ce qui va avec, c'est-à-dire la culture, la langue, l'héritage, les principes fondamentaux de la République, la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité. Si nous ne demandons pas cet effort aux personnes étrangères qui rejoignent notre pays, nous nous plaçons dans des situations inextricables. Et après, il ne faut pas se plaindre que des Français ne croient plus dans les politiques quand ils refusent de voir les problèmes là où ils se posent. Dans un autre domaine, pour revenir à des réalités plus locales, je voudrais dire que en matière de décentralisation et des collectivités locales, il faut aussi dire la vérité aux Français. L'État français est quasiment en faillite. Je dis quasiment. Ça veut dire que les collectivités locales qui vivent des aides de l'État vont voir leurs moyens et leur marge de manœuvre diminuer drastiquement dans les années qui viennent. Ça veut dire que les communes, les communautés de communes, les départements, les régions vont devoir apprendre à se passer des aides de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, pour nous ? Ça veut dire qu'il y a une menace qui pèse sur la capacité des collectivités locales à continuer à investir et à continuer non pas à offrir de nouveaux services publics, mais ne serait-ce qu'à maintenir les services publics existants. C'est une réalité nationale. Selon que les collectivités sont bien ou mal gérées, elles surmonteront ces difficultés avec plus ou moins de succès. Selon que les collectivités seront innovantes ou non,
pour s'adapter à cette nouvelle donne, elles réussiront à vivre cette mutation-là. Mais ne pas le dire clairement, oui, madame, oui, monsieur, demain, si nous ne mettons pas en cause notre organisation, notre modèle d'organisation territoriale, alors oui, il y a un vrai risque sérieux qui nous concerne tous de voir les services publics régresser et de voir les investissements pour l'avenir de l'ONE, du Pays des Olonnes, de la Vendée et de la France diminuer. C'est une réalité qu'il faut avoir à l'esprit. La deuxième priorité pour redresser notre pays, c'est le pendant, le corollaire de l'individualisme de tout à l'heure, c'est la nécessité de jouer toujours collectif, de toujours privilégier le collectif à l'individuel. La France ne s'en sortira pas seule. Elle fait partie de l'Union européenne, elle en est membre fondateur. Il y a une réalité européenne de coopération et d'intégration qui fait que le sort de la France est lié à celui de l'Europe et celui de l'Europe à la France. Et donc, nous devons trouver, certes, nos ressources propres pour surmonter ces crises, mais nous devons aussi être à l'initiative, comme nous l'avons toujours été, à l'initiative d'une transformation de l'Union européenne pour que, solidairement, les États européens se soutiennent et nous aident à passer la crise. Il se trouve, comme par hasard, ou pas tout à fait par hasard, que la France est l'un des pays de l'Union européenne qui traverse, parmi le groupe fondateur, qui traverse les plus grandes difficultés et qui montre surtout la plus grande incapacité à se réformer. Alors oui, nous ne nous en sortirons pas seuls et il faut le faire avec nos voisins et amis. La Vendée ne s'en sortirait pas seule non plus. Dans le nouveau découpage, triturage, charcutage, les noms en âge aussi, c'est pas toujours bon, hein, de la carte des collectivités territoriales, les départements sont progressivement dévitalisés, alors qu'ils ont apporté tant de dynamisme, les conseils généraux ont apporté tant de dynamisme à notre pays, notamment en Vendée. Eh bien, la réalité, c'est que demain, les départements pourront moins. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront plus, mais ils pourront moins. Et ils exerceront leurs compétences dans moins de domaines d'activité qu'auparavant, ce qui avait permis d'ailleurs au Conseil général de la Vendée, du temps de Philippe de Villiers comme du temps de Bruno Retailleau, d'intervenir dans une multitude de domaines et de mettre la Vendée à la pointe du dynamisme des départements français. Eh bien, la Vendée ne s'en sortira pas seule. Elle aura besoin de la nouvelle collectivité de référence de demain, la région des Pays de la Loire, dont personnellement j'aurais souhaité qu'elle s'élargisse un petit peu et qu'elle prenne une taille supérieure, ce qui aurait permis, j'avais proposé notamment l'union avec la Bretagne et le Poitou-Charentes, une grande région de l'arc atlantique, mais malheureusement j'ai prêché dans le désert et nous n'avons pas réussi à faire valoir cette idée. La Vendée, dans ce cadre-là d'ailleurs, aurait été au centre de la nouvelle région, ce qui n'était pas tout à fait inutile, et les départements auraient pu conserver un rôle de proximité, les conseils généraux auraient pu conserver un rôle de proximité qui est utile pour apporter de l'aide là où c'est nécessaire, qui est utile pour apporter de l'aide avec fraternité à ceux qui sont dans le plus besoin, puisque ce sont les compétences sociales qui seront demain au cœur des priorités des conseils généraux. Les communes elles-mêmes ne s'en sortiront pas seules. Depuis des années, c'est pas nouveau, des décennies, les communes se serrent les coudes pour gérer ensemble des compétences qu'elles géreraient moins bien individuellement. C'est souvent le cas pour les déchets, c'est souvent le cas pour les zones artisanales devenues des zones d'activité économique, etc. Mais on sent bien, dans le contexte que je vous ai décrit et que vous percevez, et d'ailleurs vous commencez à me voir venir, mais c'est pour plus tard dans le discours, on sent bien que l'avenir demain, il est à une coopération beaucoup, beaucoup, beaucoup plus étroite qu'aujourd'hui. Si cette coopération-là ne voyait pas le jour,
Je pense que les communes se retrouveraient, pour un grand nombre d'entre elles, dans une situation, elle aussi, de faillite. Les individus ne s'en sortiront pas seuls. Et il nous faut lutter contre les individualistes, lutter contre les communautarismes, j'en parlais tout à l'heure. Il y a un moyen, d'ailleurs, il y a des communautarismes qui sont un peu inquiétants en ce moment, les communautarismes laïques et religieux. La seule réponse aux communautaristes, c'est l'application des principes de la République. C'est l'égalité, c'est-à-dire, et la laïcité, c'est-à-dire que la loi soit la même pour tous, c'est-à-dire que les services publics de cantine, de piscine et les autres soient les mêmes pour tous, quel que soit, et donc la loi et les collectivités ne doivent pas regarder les opinions personnelles des administrés, elle doit traiter tous les citoyens et tous les administrés sur un pied d'égalité. Et il y a un creuset qui fait notre richesse, il y a un creuset de fraternité et de lutte contre les individualistes qui fait notre richesse à Olonne-sur-Mer, au Pays des Olonnes, en Vendée, c'est le bénévolat. C'est la vie associative, c'est la richesse de la vie associative, plus fraternelle, plus dynamique que jamais. Bien, en ces années de vaches maigres pour les collectivités, certaines choisissent de serrer tous les budgets, y compris celui des associations. Bien, à Olonne-sur-Mer, lors du vote du budget, prochainement, nous ne ferons pas cela. Et nous proposerons de maintenir le budget des associations, nous proposerons de ne pas le réduire, sauf cas particulier nécessaire, mais ce n'est pas les aides que nous apportons aux associations qui mettront les finances de la commune en danger. En revanche, on pourrait mettre la cohésion communale en danger si nous mettions les associations au pain sec et à l'eau. Et donc, je souhaite que, concrètement, à Olonne-sur-Mer, ce soit l'un des moyens d'action de lutte contre l'individualisme. La troisième priorité, c'est celle qui est la plus d'actualité pour redresser notre pays, c'est la culture et le partage de l'amour de la France. Alors que les barbares avaient tenté de mettre la France à genoux, les Français, dans un sursaut, un élan issu du fond des âges, se sont rassemblés dimanche dernier pour dire non à la liberté, pour dire non à la barbarie, oui à la liberté de la France. Et les Français ont réaffirmé massivement leur amour de la France, de toute la France, de la République, de ses valeurs d'égalité, de fraternité, de liberté. Mais aussi, on pourrait rajouter deux mots à cette devise républicaine qui me paraîtrait les bienvenus. Je ne propose pas là une modification de la devise, mais juste pour ce soir, moi je rajouterais deux mots supplémentaires. Je rajouterais à liberté, égalité, fraternité, je rajouterais la laïcité, qui est un bouclier dans l'évolution de notre société d'aujourd'hui. Et je rajouterais, en plus de la laïcité, la tolérance. Je pense que notre société ne vit plus la tolérance. Et que le manque de respect, l'irrespect de l'autre, conduit notre société dans le mur. Si on prend l'exemple de la liberté d'expression, pour laquelle j'ai défilé avec un grand nombre d'entre vous dimanche dernier, la liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale. Mais c'est pas parce que c'est une liberté fondamentale qu'elle est absolue. Aucun de nous n'a le droit de dire certaines choses à d'autres, de provoquer la haine raciale, d'injurier. Aucun individu n'a une liberté absolue d'expression. Alors quand c'est de l'humour et quand ça n'est pas nommé, tout devient permis. L'équilibre, il est fragile. Il est sensible, il n'est pas facile à atteindre. Mais je crois que notre pays ne pourra pas faire l'économie d'un débat et de réflexion et d'observation sur la tolérance, l'intolérance
et les limites nouvelles qu'il faut réfléchir à apporter à la liberté d'expression. C'est pas nouveau, hein. Chaque décennie voit arriver de nouvelles contraintes supplémentaires, de nouvelles limites à la liberté d'expression. Moi, je crois que je n'ai pas la solution miracle. Parce que quand, si vous lisez le journal tous les jours, et si vous creusez un petit peu la question sur le plan juridique, sur le plan intellectuel, sur le plan moral, il n'y a pas de solution évidente. Mais je crois que, sous prétexte d'humour, on ne peut pas haïr. Et si on haït, si on provoque la haine, si on encourage la haine, alors on n'est pas dans la tolérance et on n'est pas vraiment dans la République. Il faut trouver un compromis acceptable par tous. Alors, l'amour de la France, c'est un thème qui m'est cher, une valeur à laquelle je suis particulièrement attaché. Et depuis que je me suis engagé en politique et que je participe à des réunions publiques et politiques, il ne se passe pas une fois sans qu'on me dise « Écoute Yannick, t'es gentil, je comprends que t'étais ami avec Philippe Devilliers, mais l'amour de la France, tu vas pas faire que ça toute ta vie. » Et puis, l'amour de la France, c'est bien gentil, mais c'est pas ce qui va donner à manger à ceux qui sont dans le besoin, c'est pas ce qui va redresser notre économie. Quelle erreur. On ne peut pas opposer le patriotisme et l'économie. On a un exemple d'ailleurs tout à fait précis que nous connaissons tous, c'est la Vendée. La Vendée s'est relevée, la Vendée s'est élancée parce qu'elle a de nouveau cru en elle, parce qu'elle a de nouveau su qui elle était, parce qu'elle était fière d'elle-même et que cet élan identitaire, cet élan de fierté, cet élan d'amour pour son territoire, il produit des fruits économiques, il produit de la dynamique. Il produit de l'emploi, il produit des projets culturels, il produit le Puy du Fou, il produit le Vendée Globe, il produit des emplois pour demain. Et donc, en réalité, le patriotisme, l'amour de la France, c'est un moteur de l'économie. Ça n'est pas qu'une valeur philosophique, ça n'est pas qu'une valeur identitaire politicienne. Le patriotisme, d'abord, c'est bon pour le moral. Je ne sais pas qui d'entre vous était là dimanche dernier à manifester. Levez la main. Bon, voilà. Eh bien, si vous avez vécu, je ne sais pas comment vous avez vécu cette manifestation particulièrement digne qui s'est déroulée au Sable d'Olonne à l'invitation de tous les maires du canton, Fabrice Chabot, Alain Taupin, Jean-Paul Dubreuil, Didier Gallo, Joël Mercier et moi-même. Moi, je l'ai vécu comme un cri d'amour de la France et de ce qu'elle représente et de ses valeurs. Eh bien, cette manifestation-là de patriotisme, cet amour de la France qui s'est manifesté dimanche dernier, ça m'a fait du bien, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a redonné de la chaleur et de l'espérance. Et j'ai eu l'impression de ne pas être tout à fait le seul à ressentir ces sentiments dimanche dernier dans l'épreuve que nous traversons. Le patriotisme, c'est bon pour le moral, c'est bon pour l'économie, j'en ai parlé. C'est bon aussi pour la cohésion nationale. Nous n'avons plus de moment de célébration de la cohésion nationale. Nous avons le 14 juillet, où les communes comme la nôtre s'efforcent d'organiser des manifestations pour témoigner de notre amour de la France et de cette fête nationale. Et chaque année, on se trouve encore un peu moins nombreux. Ça peut être désespérant. Nous ne gagnons malheureusement pas la Coupe du Monde de football tous les 4 ans. Et la dernière victoire de 98 qui nous avait fait du bien à toutes nos fibres patriotiques commence à s'éloigner. Et je ne suis pas encore sûr qu'avec la nouvelle génération, ce soit pour tout de suite. Et donc nous manquons d'occasion. Nous avons d'ailleurs supprimé une occasion qui était une occasion magnifique d'affermir la cohésion nationale. C'est avec la suppression du service militaire. Quelle erreur! Mon Dieu, quelle erreur! C'était le dernier creuset d'intégration des personnes qu'on ne pouvait plus intégrer ou assimiler. C'était le seul moyen que la République avait trouvé pour réunir dans un même élan, dans un même
dans un même esprit, l'ouvrier des conserveries des Sables-d'Olonne et le médecin de La Roche-sur-Yon, qui se retrouvaient au même régiment, dans la même chambrée, et qui devaient faire un bout de chemin ensemble, et qui tous les matins se réveillaient à l'heure et étaient au garde à vous devant le drapeau tricolore qui s'élevait. Alors je crois que je suis pas, j'ai fait mon service militaire, j'ai été l'une des dernières générations qui l'a fait. Moi j'ai voulu le faire, j'ai des copains qui n'ont pas voulu le faire. Moi j'ai voulu le faire, je voulais voir ce que c'était. Ah ben, j'ai vu, je suis même resté un peu plus longtemps parce que ça me plaisait bien. Je ne demande pas à ce qu'on réinstalle aujourd'hui un service militaire. Parce que je pense que malheureusement, notre armée a été tellement transformée qu'elle ne pourrait même plus l'accepter. Mais je crois que dans une vie, la jeunesse de notre pays, c'est-à-dire l'avenir de notre pays, doit pouvoir donner 6 mois, 10 mois, 1 an au service des autres, au service de son pays. Et moi, avec un certain nombre de collègues parlementaires, nous reposerons sur la table la question d'un nouveau service national. Service national civil, pour la plupart, et pour ceux qui le souhaitent, militaire également. Nous devons nous donner les moyens d'assurer la cohésion nationale et de faire vivre l'amour de la France. Le patriotisme, c'est bon pour le moral, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la cohésion nationale. C'est bon pour nous, mais c'est aussi bon pour les autres. Comment aimer les autres cultures, les autres nations, si on n'aime pas notre propre culture, notre propre nation? Comment aimer l'Europe si on n'aime pas la France? Comment aimer la France si on n'aime pas la Vendée? Comment aimer la Vendée si on n'aime pas le pays des Olonnes? Comment aimer le pays des Olonnes si on n'aime pas Olonne, la Chaume, le château d'Olonne, les Sables d'Olonne, l'île d'Olonne, Sainte-Foy, Véré, Saint-Mathurin? Comment pouvez-vous imaginer construire un avenir ensemble et aimer un projet commun si on ne s'aime pas soi-même? Depuis que nous avons été élus, ça fait quelque temps déjà, je commence à avoir des cheveux blancs, nous avons cultivé ce qui pouvait paraître une contradiction. L'identité olonnaise, l'amour d'Olonne, de son histoire, de sa culture, de son tempérament, de son identité, et un projet plus grand, plus fort, plus innovant de regroupement de collectivités. Alors, je vais y revenir tout à l'heure, parce que je fais monter le suspense de paragraphe en paragraphe. Je vais venir à ma 4e priorité pour le redressement national. Après l'amour de la France, je voudrais qu'ensemble, nous ne soyons pas des fatalistes et des déclinologues, et que nous ne subissions pas, que nous prenions nous-mêmes notre avenir en main. La réponse des Français dimanche dernier, elle était claire. Les Français ont fait leur la devise d'un grand Vendéen, le général de Lattre, ne pas subir. Après une telle démonstration d'énergie, d'élan pour redresser la barre, nous n'avons pas le droit, nous, de céder au fatalisme. Les Français nous ont montré l'exemple dimanche dernier. Et je pense que 2015 devra être l'année du sursaut et de la prise en main de notre propre avenir. Vous connaissez l'adage que le journal des Sables, hebdomadaire local, a publié ce matin, que Gérard Fougeon a utilisé d'ailleurs, mais au sujet du marin dans la tempête. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le livre ce soir, parce qu'il va servir ma démonstration. Dans la tempête, il y a plusieurs types de marins. Il y a le pessimiste. Le pessimiste, il se plaint du vent. Il y a l'optimiste. L'optimiste, il dit « Oh, mais t'inquiète pas, le vent va tomber. » Et puis, il y a le réaliste. Dans la tempête, quand le vent souffle, il faut ajuster les voiles. Eh bien, en 2015, faisons de 2015 l'année où nous ajustons nos voiles. Ajustons les voiles de notre pays, vis-à-vis de nos partenaires européens. Ajustons les voiles de notre démocratie. Choisissons
les bons candidats, ceux qui participeront le mieux au redressement de notre pays à l'occasion des élections départementales, régionales qui se profilent. Ajustons les voiles de notre législation, notamment pénale. Ça va ? Ça va ? Oui ? Je vous ai assommé déjà ? Un peu d'eau ? Jean-Loup, est-ce que tu es là ? Ouais, s'il vous plaît. C'est bon ? Bon. Je disais donc, 2015, ajustons les voiles. Ajustons les voiles de notre législation, c'est le débat du jour, sur notamment notre législation pénale, pour nous adapter à la menace et pour faire en sorte que nous soyons plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme. Ce sont d'ailleurs des pistes que j'évoquerai samedi midi sur le plateau de France 3 dans l'émission La Voix est libre. Ajustons aussi les voiles de notre économie en libérant nos entreprises et nos emplois, en leur faisant confiance. Faisons confiance à nos entrepreneurs, nos artisans, nos commerçants. Arrêtons de brider leur énergie et leur envie d'entreprendre. Ajustons aussi les voiles de nos collectivités locales. Ici, au pays des Olonnes, je voudrais vous faire part de ma conviction la plus profonde et essayer de vous la faire partager. Il n'y a qu'un navire qui puisse traverser efficacement la tempête qui s'annonce sur les finances des collectivités locales. Ce navire, il a un nom. C'est l'Union. C'est un navire, l'Union, qui a deux coques. La première coque, c'est l'union de nos communautés de communes. La communauté de communes des Olonnes, Olonnes, les Sables, le Château, et la communauté de communes Auzance-Vertonne, l'île d'Olonne, Véry, Sainte-Foy. L'union de nos communautés de communes pour créer une agglomération, une communauté d'agglomération qui soit à l'échelle du territoire, pas à l'échelle des découpages sur une carte, à l'échelle de ce qu'est le bassin de vie des Sables d'Olonne. Le bassin de vie des Sables d'Olonne, ça n'est pas Olonne, les Sables, les Châteaux. Le bassin de vie des Sables d'Olonne, la communauté de destin, c'est bien plus large qu'Olonne, les Sables, les Châteaux. C'est au moins, dans un premier cercle, l'île d'Olonne, Sainte-Foy, Véré, et sans doute Saint-Mathurin, ajoutée au sable, au château et à Olonne. Donc, la première coque de ce navire qui traversera la tempête, c'est l'union de nos communautés de communes. La deuxième coque, c'est un scoop, c'est l'union de nos communes. L'union, mes chers amis, l'union n'est plus une option. Il y a quelques années, quelques décennies, on pouvait se poser philosophiquement la question de savoir si dans 20 ans, dans trop de temps, quand les agglomérations et les aires urbaines se seront regroupées, si c'est bien raisonnable d'avoir trois communes. Cette question-là, elle était légitime et les réponses qui pouvaient y être apportées, elles étaient tout autant qu'on y soit favorable ou défavorable. Mais dans le contexte que je vous ai décrit, dans la tempête qui s'annonce, je pense que l'union n'est plus une option. L'union est une condition de la préservation de notre qualité de vie et de notre dynamisme. Si nous ne sommes... Ah, décidément. Faut que je le travaille, hein. Est-ce qu'il y a un orthophoniste dans la salle ? Je peux faire un break ? Si nous ne... Je me fais rire moi-même, c'est pas bon. Un petit verre d'eau. Si... si nous ne remettons pas en cause notre modèle... Arrête, Aïda, s'il te plaît. Tu m'aides pas, là, tu sais.
si nous ne sommes pas capables de remettre en cause notre modèle, notre organisation, nous ne serons pas capables demain de continuer à investir efficacement pour votre avenir et à faire progresser nos services publics. Nous nous mettrons nous-mêmes, c'est ma conviction, je comprends qu'on puisse ne pas la partager, mais je vous l'exprime. Si nous ne sommes pas capables de nous unir, d'unir nos efforts, nous n'aurons plus les moyens de développer comme nous le faisions jusqu'à présent, Olonne, le pays des Olonnes et la Vendée. Et donc, l'union, à mes yeux, n'est plus une option, c'est une condition du maintien de notre qualité de vie. Et moi, ce que je vous propose, c'est au lieu d'attendre qu'on nous coupe les vivres, au lieu d'attendre de ne plus avoir les moyens d'investir pour notre avenir et de maîtriser notre destin, je vous propose de prendre notre avenir en main. Je vous propose d'unir nos efforts, nos moyens, nos volontés pour construire cette ville nouvelle, cette commune nouvelle, c'est la terminologie de la loi en vigueur, et de construire cette nouvelle agglomération qui non seulement sera capable de résister à la tempête, et donc sera capable de se défendre par rapport à l'asphyxie financière des collectivités locales, mais qui pourra de nouveau passer à l'offensive. L'union, mes chers amis, n'est plus une option. L'union, c'est notre horizon. Alors, dans les circonstances que traverse notre pays, j'ai eu un propos qui dépassait assez largement les limites du pays des Olonnes. Mais j'ai voulu le faire parce que j'ai considéré que ces réflexions éclairaient aussi utilement notre avenir ici à Olonne et au pays des Olonnes. Alors bien sûr, j'aurais pu aussi vous parler, et rassurez-vous, nous entrons dans la conclusion, de la mise en service de la nouvelle piscine intercommunale au château à l'été 2015, de la mise en place de la nouvelle crèche, la mise en service aussi de la nouvelle crèche au printemps prochain, là, dans quelques semaines, boulevard de l'île Vertine, du déploiement de la fibre optique du très haut débit sur l'ensemble du territoire aujourd'hui de la communauté de communes des Olonnes de 2015 à 2020. J'aurais pu aussi vous parler des travaux de rénovation de la maison de retraite des Cordeliers, de l'enfouissement des lignes électriques et notamment d'une ligne affreuse qui faisait le trait d'union entre Olonne et l'île d'Olonne et qui va bientôt disparaître. J'aurais pu vous parler du nouveau programme olonnais de construction de restaurants scolaires, mais j'avais peur d'être un peu long. Et puis j'avais peur de dire « Noun !» Donc, je ne l'ai pas fait. Pour conclure, je voulais juste vous dire quelques mots, je vais essayer d'être court, sur le projet phare à Olonne en 2015. Je veux parler de l'achèvement et de la mise en service prochaine, au mois de juin probablement, en tout cas au début de l'été, de la médiathèque de la Jarrie au cœur de Olonne-sur-Mer. C'est le plus gros projet de l'année, c'est pour nous, pour notre équipe, un projet exemplaire et emblématique. Emblématique parce que les travaux de réalisation de cette médiathèque donnent le coup d'envoi de l'aménagement de l'ensemble des 6 hectares du parc de la Jarrie et en même temps le coup d'envoi aussi des travaux qui permettront au final de réaménager le centre-ville d'Olonne. Emblématique, cette médiathèque l'est également parce que c'est le premier projet municipal d'Olonne-sur-Mer, qui a été conçu, imaginé, pour servir un bassin de population supérieur au seul territoire d'Olonne. En d'autres termes, c'est le premier projet qui, depuis sa conception, a été conçu comme un équipement à vocation intercommunale au service des habitants, des Sables, du Château, de l'île d'Olonne, de Sainte-Foy, de Véré et de Saint-Mathurin. La dimension de cet équipement est supérieure aux besoins actuels d'Olonne-sur-Mer. Il avait été conçu dans cet esprit-là. Mais cette médiathèque n'est pas seulement emblématique, elle est aussi exemplaire à nos yeux, exemplaire à plusieurs titres. D'abord, exemplaire sur le plan environnemental. Nous n'avons pas simplement cherché à atteindre les objectifs de la norme haute qualité environnementale, nous les avons largement dépassés dans cette construction, et ça n'était possible qu'avec une construction neuve. D'abord, avec le soutien financier du Conseil général de la Vendée, à hauteur de 174 000 euros, merci Gérard d'avoir soutenu le dossier. J'espère que tu es venu avec le chéquier. Est-ce qu'on n'a pas encore touché les 174, mais prépare-toi parce que ça va arriver en 2015. Avec le soutien aussi financier de l'État,
Il restait quelques sous dans un tiroir qu'on a réussi à arracher à la DRAC, qui pour l'instant nous a versé 258 000 euros l'année dernière. Nous espérons au moins la même chose cette année. Partenariat public également avec la communauté de communes, parce que comme vous le savez, les bibliothèques du Pays des Olonnes sont en réseau et s'échangent les fonds. Et c'est une bonne chose qui est appelée à se développer dans l'avenir. L'image est omniprésente dans notre société aujourd'hui. L'image est centrale. Encore faut-il savoir comment elle est fabriquée, comment la décrypter pour ne pas s'en laisser abuser. Je voudrais remercier en votre nom à tous Gilles Salé et le groupe AMP pour ce partenariat public-privé qui fait honneur à Olonne et honneur à la Vendée. Exemplaire. Notre médiathèque le sera également à un troisième titre. Elle le sera par son positionnement. Son positionnement, c'est celui d'une médiathèque centrée sur l'image, spécialisée dans l'image. Outre un rayon de bande dessinée conséquent qui fera honneur au festival de BD Abracadabule, cher à notre ami Claude Durand et aux Olonnais, notre médiathèque, votre médiathèque, aura la particularité d'être une antenne de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA. Une antenne unique sur l'ensemble de la Vendée et même dans le Grand Ouest. C'est une vraie chance pour les Olonnais que de pouvoir compter sur le mécénat du groupe AMP et sur le partenariat avec l'INA. Il n'en fallait pas plus pour convaincre un grand monsieur de l'audiovisuel d'accepter d'être le parrain de la médiathèque de la Jarrie. Je voudrais remercier Michel Drucker d'avoir accepté de parrainer notre médiathèque et d'être présent en septembre prochain à son inauguration. Cher Michel Drucker, je vois que vous êtes patient et je vous en remercie. Je vous laisse la parole. Merci, monsieur le député maire de l'Olonne, cher Yannick Moreau. Merci de me passer la parole. Juste pendant quelques instants, pour vous dire combien je suis flatté, très fier d'être le parrain de la médiathèque qui sera inaugurée en septembre dans cette belle région. J'ai plusieurs raisons de me réjouir de cette médiathèque. D'abord parce que c'est un lieu culturel important. J'ai tout lu sur vos projets, monsieur le maire. Vous avez eu raison de l'agrandir. 4500 adhérents dans un centre culturel, c'est pas rien. Et je sais tous les aménagements que vous avez faits. Et je voudrais vous dire également que moi, je connais bien cette région. J'y ai passé beaucoup de temps quand j'étais un petit peu plus jeune. Les gens de la région le savent. Et puis, ce site historique, la Jarrie, ce logis de la Jarrie, qui est un des monuments culturels les plus anciens que les Olonnais connaissent bien, c'est bien de l'avoir choisi. Et puis, vous savez que moi, la région d'Olonne, c'est une région qui est chère à mon cœur pour plein de raisons. Pour des raisons familiales, chacun sait hein, qu'à La Chaume ou à Tanchette, Cayola, que vous connaissez bien, j'ai beaucoup de souvenirs. Et puis, j'ai des amis là-bas. Et puis, j'adore le vélo. Alors, les circuits vélocipédiques des marais olonnais, je les connais. Je les ai déjà pratiqués avec Miguel Jonchère, avec Jean-René Bernaudot, avec mon ami Gilles Salé, évidemment. Donc, j'ai plein de raisons de me réjouir. Ça me donnera une raison supplémentaire de venir dans cette belle région. Le vélo, la médiathèque. Je vous signale que vous êtes également associé à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, cher à mon cœur, parce que je ne pourrais pas faire mes émissions depuis tant d'années, notamment Vivement Dimanche, sans l'INA, et puis Visual, et puis AMP, je suis en famille chez vous. Voilà, je vous félicite, cher Yannick Moreau, monsieur le maire d'Olonne, d'avoir eu cette belle initiative. Je serai là, en septembre, pour inaugurer cette belle médiathèque. Voilà, et je vous souhaite dès maintenant une bonne année à tous, puisque c'est la période des vœux. Rendez-vous en septembre. Merci à Michel Drucker et à Gilles Salé pour la réalisation de ce petit enregistrement, parce qu'il n'était pas en coulisses. Sinon, je vous l'aurais montré, Michel, mais il n'était pas là ce soir. Un tout dernier mot pour conclure, le dernier des derniers, avant de partager ensemble un moment de convivialité et de pouvoir échanger. Vous l'aurez compris, à travers tous les projets que nous portons, et les défis qu'ensemble nous relèverons. Olonne et le pays des Olonnes est en mutation. Olonne et le pays des Olonnes bougent.
Olonne et le pays des Olonnes se transforment. Ils bougent parce que vous qui êtes les premiers acteurs de la vie municipale, de la vie intercommunale, vous bougez, vous entreprenez, vous donnez bénévolement de votre temps. Elle bouge et le pays des Olonnes bouge parce que notre équipe, que je remercie collectivement et chaleureusement, tourne à plein régime au service des Olonnais. 2014 a été une année difficile. 2015 le sera probablement. Et si chaque famille porte pudiquement sa part de souffrance, ensemble, soutenons-nous, redressons-nous, battons-nous, innovons pour construire un avenir meilleur pour Olonne, l'agglomération des Olonnes, la Vendée et la France que nous chérissons. Alors au nom de l'équipe municipale, je formule le souhait que la nouvelle année vous apporte la santé pour vous et vos proches, la liberté pour vous, vos projets, la paix dans ce monde tourmenté. Je voudrais aussi, si vous le permettez, adresser des vœux à la France, des vœux de résistance et des vœux d'espérance. Bonne année à toutes et à tous. Vive la liberté et vive la France !